Nous avons vu précédemment que le combat du chrétien est de nature spirituelle et son arme ultime est sa foi en Jésus. Nous allons aller plus loin concernant les différentes armes que le Seigneur met à notre disposition. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Éphésiens chapitre 6, les versets 13 à 18. Avoir la vérité comme ceinture va plus loin que de simples paroles. À l'image de la ceinture qui tient fermement au corps, ainsi nous devons être fermement accrochés à Christ, de sorte à former un tout, à être indissociable. La cuirasse de la justice. Comme la cuirasse qui colle au corps, nous devons être impassibles lorsqu'il s'agit d'appliquer la justice de Dieu, et nous l'appliquons lorsque nous faisons ce qu'il nous dit. La chaussure, quant à elle, est attachée à nos pieds. De même, nous devons à tout prix faire régner la paix dans notre entourage, autant que cela dépende de nous. Le bouclier est l'arme défensive absolue, car elle ne laisse rien passer. Un soldat qui manie bien son bouclier est presque impossible à atteindre. Ainsi, le chrétien qui a une foi infaillible en Dieu est lui-même infaillible. Le casque du salut. Le casque, quant à lui, se porte sur la tête. Ainsi, nous devons toujours fixer nos regards sur le salut qui est notre rémunération, et donc le détourner des attraits de la terre. Et enfin, l'épée de l'esprit. De toutes ces armes, l'épée est celle qui porte les coups meurtriers. Ainsi, nous devons utiliser la parole de Dieu pour porter des coups décisifs à Satan, car c'est par elle que nous arrachons les âmes perdues de l'ignorance pour les ramener dans les sentiers de la vie. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens chapitre 10, les versets 4 à 5. Enfin vient la prière par laquelle nous restons en communion perpétuelle avec le Seigneur. Frère, tu es désormais équipé pour la victoire certaine, car voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Luc chapitre 10, verset 19.